Salut à tous, donc là on est avec Citadel. Salut les gars, Salut. donc c'est Nicolas et Pierre-Édouard, hein, C'est on ça. va donner les vrais prénoms quand même, ça aide. On aime bien nous parler toujours d'histoire, c'est toujours la chose qui nous passionne le plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement les premiers contacts avec la musique, hein? À la base, c'était mon frère qui aimait beaucoup la musique électronique, donc il m'a un peu plongé dedans. Et en fait, avec Pierre-Edouard, on s'est rencontrés au collège. Je l'ai aussi après initié à la musique électro et tout ça. On a commencé petit à petit à faire les soirées du collège, du lycée, à commencer aussi à découvrir les logiciels de production et après à créer nos propres morceaux. Après, ça s'est voilà, ça s'est constitué petit à petit comme ça. Mais à la base, c'était vraiment une rencontre, une amitié de collège et puis on s'est passionné pour la même chose, donc la musique électro. Alors Ouais. pour revenir sur toi juste un petit peu, ton grand frère, qu'est-ce qu'il écoutait? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir au début et puis vers quelle époque à peu près? C'était les tubes qu'il y avait vers 2004, genre Satisfaction, Benny Benassi, les choses comme ça. Donc c'était les premiers tubes qui perçaient un petit peu en radio. Après, on a un peu plus creusé pour voir tout ce qu'il y avait autour, quoi. Ok, Pierre-Édouard? Bah, du coup, c'est ce qu'il disait, il m'a un peu initié à la musique électronique. Moi, à la base, j'étais plus côté rock, c'était un peu ma période au collège. Enfin, vu que j'ai déjà un côté musicien, on faisait du piano tous les deux à l'époque. Et du coup, naturellement, on a commencé à faire de la musique, juste à créer des morceaux un peu de ce qu'on écoutait, on imitait les choses. Et après, ça s'est développé. Et c'est pour ça, maintenant, aujourd'hui, on fait de la production et on mixe ici. Quels sont les artistes qui vous ont influencé? Alors, moi, de mon côté, c'est Axwell. Que ce soit côté mix ou production, je pense qu'il gère vraiment, il gère vraiment, quoi. Enfin, il est encore à la pointe aujourd'hui avec la Swedish. On sent que vraiment, il est vraiment au taquet sur ce qui se fait aujourd'hui. Et en termes de mix, quand on le voit en live, dans les clubs et tout, on voit très bien qu'il gère vraiment son sujet. Et pour moi, c'est vraiment une référence à ce niveau-là, quoi. Ok, Nicolas? Je reste un peu en Suède aussi parce que moi, j'aime beaucoup Erik Prydz ou tous ses alias d'ailleurs. Prida, etc. Exactement. Et du coup, ouais, c'est l'aspect aussi mélodique, enfin, je trouve ça hyper intéressant dans tous ces tracks. Une petite question parce que nous on est un peu à l'ancienne, on est des vieux. Le format vinyle, on est assez amoureux de ça. Et je ne réserve pas la question qu'à des personnes de plus de 40 ans, tu vois. Donc je pose quand même la question toujours. Le vinyle, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous en avez acheté? Est-ce que ça vous parle? Moi, ça m'évoque bah, la qualité. On va dire, c'est des morceaux de collection. Après, c'est vrai, dans la performance aujourd'hui, moi, je serais pas à l'aise de mixer avec des vinyles parce que voilà, ça implique derrière de la logistique assez précise, etc. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui fait la qualité du son. Et derrière aussi, on peut rajouter par exemple un mixeur analogique. Là, on va vraiment avoir une bonne qualité de son. Pour moi, c'est surtout à ce niveau-là que c'est intéressant, quoi. Non, je suis un peu du même avis. C'est-à-dire, nous, on mixe vraiment que sur aujourd'hui des platines numériques. On essaye voilà, d'être dans des formats quand même de haute qualité, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas de la génération qui a été sensibilisée forcément à mixer avec. En tout cas, c'est vrai que j'en écoute ou chez des amis, etc. C'est plus dans l'écoute que dans la performance, en tout cas. On va parler un peu plus production du coup, c'est quand même votre dada. Vous pouvez nous expliquer avec quoi vous avez commencé votre setup au début que vous avez commencé à produire? Bah, au début, c'est vraiment juste un ordinateur et j'étais sur FL Studio. Donc c'est vraiment la découverte vraiment de tout ce qui est production. On tâtonne comme ça, c'est vraiment au début pour s'amuser et pour délirer. Et au fur et à mesure qu'on fait des projets et tout, après on se dit ah, j'aime bien quand même, j'aime bien faire de la musique. Donc on s'y met. Bah là, il y a quelques années, on a changé de logiciel, on est passé sur Ableton. Plus, on va dire, ergonomique. On va dire que c'est plus facile de s'organiser sur Ableton que sur FL Studio où il y a quand même une grosse passe d'organisation, de rangement. Infrastructure, ouais, qui est un peu plus Donc complexe. Ableton pour être plus efficace et au final en fait les deux se valent vraiment, c'est un peu la même chose, c'est juste en termes d'interface que ça change quoi. Non, bah moi j'ai suivi Pierre-Edouard qui mène le bateau sur la prod. Donc D'accord. en vrai oui, on est au début, c'est vrai que c'est un très bon logiciel je pense pour commencer et voilà découvrir un petit peu la production. Et puis après, Ableton vient me compléter assez facilement par la suite. Du coup, vous travaillez avec des VST, forcément, à moins que vous ayez un peu de hardware, je ne sais pas.
Pas encore, parce que ça coûte assez cher, mais on espère bientôt. Ouais, ouais, je sais que ça revient un peu. Il y a Moog, etc., entre autres, hein, qui font des synthés. Et c'est vrai que ça revient un petit peu sur, même dans les lives ou dans les studios. On commence à voir. Et un VST, peut-être des choses préférées, des trucs un peu fétiches, hein. Bah, du coup, pour les gens qui n'ont pas trop d'argent pour, comme nous, il y a la suite Arturia. Qui ouais, est, bah oui, ça c'est. Du coup, ça remplace vraiment bien, en tout cas, pour tout ce qui est synthé classique, prophète. Je trouve que c'est exceptionnel comme VST et bah, c'est ce qui fait que déjà on a la plupart de nos sons qui sonnent bah, comme ils sonnent. Et du coup, merci à Arturia déjà. Oui. Je vais vous poser la question Back to the Past, je la pose à tout le monde. Vous prenez la DeLorean, vous pouvez choisir de retourner dans le passé, un lieu, une époque, vous iriez où ? Peut-être dans les années 90, un truc comme ça, dans les clubs à Paris où... On voyait des line-up avec les Daft Punk, avec Cassius, etc., où il y avait vraiment des choses exceptionnelles. Souvent, ouais, souvent c'était voilà, lourd. Il y avait énormément de la French Touch, c'était vraiment un peu le berceau. Et je pense que c'était des soirées assez exceptionnelles, donc je pense que je serais allé là-bas. Vas-y, non, ouais, pareil. Tu choisis. Ouais, aussi. Non, c'est vrai que bah, ça, maintenant, c'est un peu rare de voir des line-up pareils aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, finalement, c'était assez commun, j'ai l'impression. Quel est le meilleur moyen de vous rejoindre sur les réseaux, écouter votre musique aussi, c'est quoi la meilleure façon? Bah, c'est assez simple, c'est sur à peu près toutes les plateformes de streaming, donc vous tapez Citadel tout simplement, et sur les réseaux sociaux, bon, on est principalement sur Instagram, Facebook, du coup c'est Citadel Off, voilà, c'est tout. Des nouveautés, des choses qui vont arriver, des petits projets Là, on travaille sur plusieurs nouveautés. On essaie aussi de faire des collaborations avec d'autres artistes de notre label. Et donc, voilà. D'accord. Bon, merci les gars. On a fait un peu court, mais ils ont un avion à prendre. Peut-être qu'on les aura une autre fois. Bon, en tout cas, merci les gars. Citadel, merci et beaucoup. À la prochaine. Ciao. Allez.